vine maman pour aller faire un petit petit garçon et après l'Emmanuel. Dieu avec nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés comme à l'accoutumée, jour consacré au Seigneur Dies Domini, pour célébrer la messe du quatrième dimanche de l'Avent, du temps de l'Avent, de l'année liturgique A, pour vivre notre foi comme chrétiens, pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente l'annonciation à Joseph. L'ange est apparu à Joseph pour lui confirmer que l'enfant dans le sein de Marie est le Fils de Dieu. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe annonce à Achaz le signe que Dieu donnera de sa présence et de sa fidélité. Il interviendra pour sauver son peuple par un enfant, le Messie. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 7, les versets 10 à 16. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Achaz, demande pour toi un signe venant du Seigneur, ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Achaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. De crème et de miel, il se nourrira et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur.
L'apôtre Paul annonce aux Romains que selon la chair, Jésus est venu de la race de David, mais selon l'Esprit, il est établi fils de Dieu par sa résurrection. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 1er, les 7 premiers versets. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. Vous, les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur en sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplit la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Oui.
internautes, membres de la chorale Association des chrétiens catholiques, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, depuis 4 semaines, nous préparons intensément à commémorer la Noël, la première venue de Jésus parmi nous. Lors de cet temps venu, il a pris chair de la Vierge Marie, s'incarnant dans notre humanité. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. En ces jours qui précèdent la fête de Noël, l'Église nous invite à vivre avec la même intensité l'événement qui concrétise la vieille promesse de salut que Dieu avait faite à notre père David. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. De lui naîtra le sauveur du monde. En lui, dans sa personne, brillera la présence de Dieu parmi nous, car il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ce sens-là, pape François a raison quand elle dit Jésus-Christ est le visage humain du Père. Personne, pas qu'on est petite là, sauf papa, ni personne, pas qu'on est papa, sauf petite là. Ak mon petite là, vle révéler ça. Matthieu chapitre 11, verset 27. Par Jésus, c'est le Père qui se donne dans l'humain. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, disait Jésus. Saint Jean chapitre 14, le verset 11. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente l'annonciation à Joseph. L'ange est apparu à Joseph pour lui confirmer que l'enfant dans le sein de Marie est le Fils de Dieu. L'ange est apparu à Joseph pour lui confirmer la mission d'adopter le Fils de Dieu. L'annonciation à Joseph est l'expression de la bienveillance de Dieu. Ce récit nous rappelle que Dieu n'agit pas avec la violence, un Dieu qui ne s'impose pas, mais un Dieu qui s'expose. Mes frères, mes sœurs, essayons de visualiser la scène. Et on peut diviser ce récit en 3 grandes parties. Premièrement, sa situation embarrassante. Joseph se trouve dans une situation embarrassante. Il découvre que sa fiancée, avec qui il ne vit pas encore, est enceinte. Monsieur Yola, qui l'a dans mes là. Nous avons dit que nous avons mesdames ça. Yo. Ou pas à la relation avec lui. Et puis, vous avez commencé à prendre ça. Vous avez dit le gonfler. Ou bien, chercher papa. Ou bien, ça vous avez dit. Ah, messieurs, mesdames, là. Ah, messieurs. Ou que vous avez un fiancé avec elle, ou pas rentrer en relation avec elle, et puis finalement, vous avez inventé à grandir. Vous avez dit, au moins, vous dites la boule de bras, soit soit blanc, soit bien tard. Autrement dit, chercher autour, j'en animateur à dire. Mais gagné, n'est tout qui t'a pralé sous tête carrefour pour aller faire mon bouli. Je t'a pralé dans base, je t'a pralé faire mon police. En regardant, qui ça? Qui réaction Joseph? Mais avant même, mais gagné qui t'a dit, mon père, mon cher, je ne peux pas répondre là, non? Au grand petit Paul qui dit, je reconnais les vrais maçons au pied du mur. Mon cher, il aime d'attendre dans le calme, d'après qui j'aime d'après réagir. Hein? Pianiste là. Bon, j'aime Dion. N'oubliez pas, dans la culture juive,
l'homme et la femme sont juridiquement mariés au moment des fiançailles et avant la consommation du mariage. Notre culture a inversé l'ordre des choses. On couche d'abord et ensuite on cause. Hein, tambourine à riz. Changez bagayou. C'est même Jean, oui. Longtemps, l'on est rencontré un petit mademoiselle. Il va mener de l'autre côté, il mène dans le restaurant. Là, il faut manger. Et puis, il a parlé. Mais je vous dis, hein, non. Premier côté, il a fait rencontre au premier côté, il m'a demandé où aller dans la piscine. Dans la piscine. Deux raisons. Ma baille première, l'autre là, la quimbelle, pourquoi nous avons permis, moi. Première raison, hein? En pile, mesdames, je vous dis à vous maquiller. L'homme voyant en bas lumière, son l'autre monde. Mais les maquillages, la sortie, son l'autre monde qui n'en monde. Au lieu d'aller dans le restaurant, dans la piscine, il y a plavo. L'autre raison, pas qu'on est. D'une part, si Joseph dénonçait cela, Marie risquait d'être lapidée par les gens de Nazareth. Selon la loi, le traitement possible pour une femme adultère, c'est la lapidation. Deutéronome 22, verset 23-24. Par exemple, il nous écrit. D'autre part, sa présence auprès de Marie risque de semer le doute sur la paternité authentique de l'enfant. À travers ce récit, on peut souligner la précarité de la venue du Messie. Jésus est né dans une situation précaire. Deuxièmement, la décision de Joseph. Joseph, son époux, était un homme juste. Ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Ici, c'est Matthieu souligne un trait de la personnalité de Joseph. Joseph était un homme. Très bien, 10 sur 10. Joseph était un homme juste. Pour les Juifs, à l'époque du Christ, ce titre homme juste était l'un des compliments les plus élevés qu'une personne puisse recevoir. Il décida de la renvoyer en secret. Et comme tout a dit aujourd'hui, on est qui prend ballon d'or, c'est plus gros prix prend comme footballeur, ballon d'or. Tout nègre qui a joué football, quand tu étais dans le championnat, tu étais dans la Liga, tu étais dans Bundesliga, quand tu étais dans la salle de. Eh bien, après, c'est le bagage à Boumé. Pour être qualifié comme ballon d'or. Parce que c'est son dernier prix dans le football là. L'on prend 6 ballons d'or, 7 ballons d'or. Et pour champion, il dit, ah, c'est bon, mais ça fait nous, frère Maxime. Moi, je ne vais pas venir me faire tripotaille. Hein? Je ne vais pas venir me faire tripotaille. Il ne va pas me faire. Hein? On prend presque 7 ballons d'or, on prend toute petite coupe qui gagne, on prend yo, et pour venir champion du monde. Madame? On attend le Messie. On attend le Messie. Aujourd'hui, on peut dire merci grâce à Messie. Troisièmement, voyons l'intervention de l'ange. L'ange du Seigneur intervient pour révéler à Joseph l'origine divine de l'enfant de Marie. Ce que l'ange vient apprendre à Joseph, c'est que Dieu a besoin de lui pour accomplir pleinement son dessein. Joseph pral prend responsabilité. Joseph pral garder ti petit là. Il pral prend soin ti petit sa guerre pour venir fête là. Parce que les anges l'ont pas un message, il pral mettre message en application. Combien Joseph vient là aujourd'hui? Nous amissions encore. Gine qui remet une fille. Fille qui a deux petites, qui a trois petites, qui a une petite. Nègre la prend responsabilité à l'égard de ses mounions parce qu'elle remet une fille.
En pile, mon remet pour piment, mais ou pas remet grain nan. De pour remet fiant, ou ka pran kati moun papa la gen sou wal yo. Mais combien Joseph qui la, qui remet mon fille, mais le jeune fille en petite, li pran petite la, li leve le bal pour l'éducation, même j'ai petite pal. Gen, avad va gen, combien Joseph qui gen la. Non seulement Dieu ne demande pas à Joseph de s'effacer, mais il lui demande tout au contraire de rester. Une double mission, autrement dit, une double demande. Prendre pour épouse Marie et d'introduire l'enfant dans sa maison, qui a risqué elle-même pour Dieu sa propre réputation. Donner son nom à l'enfant selon la culture, coutume sémitique, c'est assumer la paternité légale de l'enfant. Donner un nom à cet enfant, c'est assumer une descendance davidique, messianique, christique. N'oubliez pas que l'ange interpelle Joseph par l'expression « fils de David ». Pour lui rappeler que le Messie doit s'inscrire selon le plan de Dieu annoncé par les prophètes dans la descendance de David et que c'est par son propre lignage que Jésus deviendra fils de David. Mes frères, mes sœurs, comme je l'ai déjà souligné, le Dieu avec nous, l'Emmanuel, se fait présent parmi nous de bien de manières. Dans l'Eucharistie, dans sa parole, proclamée en assemblée ou lue et méditée personnellement. Il est présent dans des ministres, dans les pauvres, dans les petits, les exploités, les démunis, les laissés pour compte. Il est présent dans chacun de nos prochains, en nous, en chacun de nous. Il est bien présent là où nous le cherchons, l'invoquons, le prions ensemble. N'a-t-il pas dit, côté deux ou trois monde réunis ensemble, nan don mwen, mwen nan mi tan nou, Matthieu chapitre 18, le verset 20. Par ce monde de présence, Jésus veut s'établir partout, prendre place dans le cœur de chacun de nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, mais près de lui et lui près de moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. En ces derniers jours de temps de l'Avent, mes frères, mes sœurs, Jésus se tient par devant la porte de nos cœurs. Il frappe, ouvrons-lui grandement la porte de notre cœur. Qu'il soit l'Emmanuel de notre vie. Qu'il nous fasse goûter de la joie de Noël et surtout de la joie de celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour profiter de notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Prions le Seigneur, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Après chaque intention, nous chanterons.
responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils se laissent conduire par l'Esprit Saint et continuent d'annoncer avec ferveur la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te prions. Pour tous les dirigeants dans le pays de Haïti, pour tous les garçons et les femmes qui ont une responsabilité dans le pays, c'est pour le travail, pour améliorer la situation des citoyens qui ont groupé dans la misère, qui veulent sécurité, justice et la paix. Ensemble, en nous la prier. Pour tout le monde qui est malade, qui souffre en bas de toute qualité de violence, si la yo qui persécute yo, c'est pour bon Dieu dans la miséricorde liya, faire joindre des bons samaritains. Qui pour aider yo joindre soulagement à gai content ensemble en nous la prière. Pour les membres de notre communauté paroissiale et pour nous tous ici présents, ceux qui suivent à travers la radio-télé Altagrâce, afin que, comme Marie, nous obtenions la grâce d'accepter la volonté de Dieu et de vivre selon sa parole. Seigneur, nous te prions. C'est dans silence d'enfant que nous pour nous présenter des demandes personnelles nous bah bon Dieu grand maître noir. Regarde avec bonté Seigneur en le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il en progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour. Celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque en Monseigneur Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
sur les océans qui dessinent la terre, sur le vent au couchant. Pour la montagne fière, les vastes vallées, les forêts et les champs. Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie. Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour les bêtes de l'eau, de la terre et du ciel, ce grouillement vivant. Pour l'homme et pour la femme que tu fais s'élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Enfantichita pour quelque annonce tout compte. Dimanche 18 décembre, c'est quatrième dimanche, dans temps l'avant, tu as gagné la messe à 6h, à 8h, à 10h, et nous sommes célébrés ensemble la quatrième messe pour aujourd'hui. Dans la quatrième messe, là, nous avons gagné avec nous le révérend Père Lionel Collin. Bakwe, besoin continuer dou non Raymond Peko et de vous me prendre micro mettre connaissez ça m'a dit. Merci en pile Peko, merci pour ça ouyer pour l'église là. Merci en pile pour présence. Non, on dit merci à groupe association chrétien catholique qui a animé la messe là. Merci à musicien yo, merci Frère Tochon, merci Amir, merci et tous les techniciens RTA caméramen. Merci tout groupe, tout comité, tout le monde qui te permet que la messe là soit possible. Merci, merci nous tous avec nos chats qui te fait déplacement pour venir célébrer ensemble. Et moi, je vous demande un gros bravo. Pendant ce maintenant, nous avons gagné la messe à 6h et à 7h dans l'église là. Et nous sommes capables de suivre ces cérémonies sur RTA. Ab gagné confession après messe. Collège paroissial là mandé nous pour nous capable faire effort ça pour nous venir confesser. Mardi 20 décembre à 4h dans l'après-midi ab gagné célébration 25 ans mariage Frère Rosemont Moïse
avec Sœur Mafiz Moïse. Samedi 24 décembre à 2h dans l'après-midi, a gagné Noël des humbles, Noël avec Povio. Si gen moun ki vle contribuer nan réalisation fait ça, yo capable contacter clergé. Veillée de Noël à 4h30 dans après-midi et après a gagné la messe. Et messe ça c'est la messe veillée. Dimanche 25 décembre, solennité de la nativité du Seigneur a gagné la messe à 6h, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. 24 avec 25 décembre, nous avons gagné pour nous célébrer dans l'église. Là. Donc, ce n'est pas là qu'on a réuni, mais c'est dans l'église. Là. 26 décembre, c'est fête Saint-Étienne, premier martyr. Le 28 décembre, c'est fête des saints innocents. À 9h du matin, fête avec les enfants. Il y a une distribution jouette avec cadeau. Vendredi 30 décembre, c'est fête Sainte Famille. Samedi 31 décembre, jour d'action de grâce. Il y a la messe à 6h, à 7h et à midi. À 10h, il y a une veillée de prière suivie de la messe de minuit. 1er janvier 2023, jour de l'an, solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Messe à 6h30, à 9h et à 4h dans l'après-midi. C'est jour ça à tout, dans la messe 9h. Donc, il y a consacré nouvel hôtel dans l'église là qui est rénové. Quand il n'y a pas oublié, il est disponible dans le bureau presbytère. Les gens qui peuvent acheter, passer, prendre billet pan. C'est toute annonce nous avons gagné. Donc, nous disons tout merci pour la patience et nous avons invité nous camper pour nous capables recevoir la bénédiction finale. Frère, nous disons tout merci. On dit frère, nous merci en bel petit bravo. Quand je crois nous pour recevoir la bénédiction solennelle après chaque soir, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous entendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme en votre foi, joyeuse en votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire. Qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Cette soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Merci.